c'est une petite salle. Très bien. Les mines. Parce que c'est que ça, c'est énorme. C'est un magicien qui vit des moments et vénère. Ok, il est empoisonné. J'ai eu le magicien. Oh non, je me fais avoir par le vieil œuf pérave. Enfin, la bulle. Genre la bulle. Alors, je résiste au magicien. Au magicien. Je résiste au magicien. Je vais faire voir par la vieille bulle, quoi. Très bien. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Je pense que c'est un grand. Oui. J'ai pas envie de passer derrière. Psychologiquement parlant. Je me sentirais mal de le faire. Ok, avant tout. Éliminer un nombre de menaces. Le plus grand possible, enfin, moins de choses à éviter ensuite. Très bien. Peu de vie. Ah bon. Ah, ça fait des balles comme ça. Très bien. Je savais pas. Admettons. Ok, cool. Un par là. Ok, cool. L'araignée. Égypte, c'est l'araignée. Là, je connais pas dessus. Cool. Ben, la thune, hein, bien entendu, c'est important. Ok, très bien. Oui, bonjour. Non, la table. La table. Traîtresse de table qui m'a complètement bloqué le mouvement sans que je m'en rende compte. Oh, mais attendez, mais ça s'ouvre, ça. C'est énorme. C'est une souris. Il y a une souris. Incroyable. Jamais vu ça. Et oui. À la base, j'en avais une run bien lancée, mais finalement, on s'en va à coup de wagonnet. Passe avant tout un bon moment. Hein. Ah bon? D'accord. Ok. Peut-être qu'il y avait un truc à faire avec la souris. Sans doute. Très bien. C'est bien marqué sur la carte, hein. Il se passe un truc bizarre. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose ici. Ah, décontracteur musculaire. Détendez-vous. Détendez-vous. Pièce en fer. Rejoins la bataille. Améliore considérablement la précision de tir. Ah, excellent ça. Ces anxiolytiques sont très appréciés des tireurs à longue portée, surtout par des temps froids. Ils n'empêchent pas complètement le tremblement des mains, mais sont plus efficaces que les techniques classiques de respiration. C'est ce qu'il me faut, ça, un peu de précision. Bon, en tout cas, il y a un petit truc caché, là, avec cette histoire de trappe. Le carton, le fameux carton. Prendre une clé en plus. Et donc oui, la clé rongée, là, c'est bel et bien juste au deuxième étage. Très bien. 107 balles, hein, le carton, quand même. Ça va être un sacré truc. Peut-être prendre des balles à blanc.
Ah oui, d'ailleurs, on voit la précision améliorée assez remarquablement sur cette arme. La range est beaucoup moins grande. La range, la dispersion. Assez incroyable. Ah, quoi que, hein. Pas de question. Si, je pense quand même. J'ai fait des trucs là parce que je sens bien qu'il va finir par me buter. J'avais jamais vu cette ennemi là, non? Si, peut-être. Je sais plus. Il a l'air de paniquer un peu hein, quand il se fait dire tuer. Quand il est empoisonné. C'est pas son plus grand kiff. Très bien. Cool. Ah, on a droit au puzzle babble. Oh mais non, mais je me fais avoir par les bulles. Hein. Ça va très très vite les bulles. J'ai perdu mon armure. Faut que j'oublie hein, que j'ai beaucoup de balles à blanc. Si je le souhaite. Ok, tiens. C'est là. Petite clé. Cool. Ah mais je pense que le jeu est plus dur qu'avant. Hein. Parce que là, on récupère 32 balles aussi en 3 salles. Je pense qu'il y a beaucoup plus de risk-reward qu'avant. Je me permets de penser. Bon, le cœur, merci bien. Je peux le prendre. Je m'éloigne. Canon à t-shirt. Ah, je le connais, lui. Je l'ai eu en coop. Souvent, je l'avais au premier... étage. Tire des t-shirts. Gungeon Textile est une entreprise fondée par quelques zombarmes entreprenantes. Qui n'a pas tenu très longtemps. Après avoir tué leur quatrième client, ils ont fermé boutique. Terrible, qui le croit ? Fusil à carlouche. Il faudrait des munitions hein, pour le fusil à carlouche. Commencez à être à court. Il n'y avait pas de munitions hein, chez le marchand, je crois pas. On va vérifier à Viteuf. D'abord faire ça, Viteuf. Voilà. Petit audio. Temps de tirer sa coquille 2. Ok, ici ça nous ramène ici. Allons voir chez le marchand s'il y avait des missions. Je suis pas sûr. Non, il y avait pas de mission, il y avait une clé. Clé et cœur. Tout ce qu'on nous proposait. Je suis à 45 balles, on va prendre la clé. Tiens, 30 balles d'ailleurs. Hein. J'ai plus droit à mes réductions. Comment ça se passe la vie? Je crois que j'avais une personnalité désarmante. Pourquoi il me fait la clé à 30 balles alors? Salaud. T'as bien compris que j'étais un pigeon. Allons-y avec le brillard. L'arme tueuse de boss. On est avec Seeker. Jamais eu autant. Je crois qu'on a un problème de... cinématique. Ah non, genre on se bat contre la porte. Ah, c'est incroyable. Le grand portier, menace cachée. Ah oui, en effet. Je l'avais pas vu venir celle-là. J'ai un peu de... ça marche pas. Donc en fait... oh la vache, ça va vite hein. Ah mais c'est un peu abusé non? Non, non c'est pas abusé. Visiblement on s'en contrefiche. J'ai juste déjà perdu 2 cœurs. Et non. Par contre je enlève la race hein. Le brilleur, ça déconne zéro. Ah, j'aurais dû utiliser la balle à blanc, voilà. J'ai tellement de balles à blanc. Voilà. Bon, j'ai perdu 2 cœurs ennemis, quand même. Un peu triste. Mais bon. Petite armure. Et on va prendre des munitions pour ça. On a gagné quoi? La voix des armes, Spren. Oh, on l'a débloqué en plus ce soir là, cette session. Elle se transforme en une arme puissante dans certaines circonstances mystérieuses. Ce lutin, en forme de balle, se transformera en une arme énergétique d'énergie rayonnante incroyablement puissante dans certaines circonstances. Traditionnellement, il faut être membre de l'équipe des ponts et ne pas avoir peur du vide. Si aucun pont n'est à votre portée, cependant,
le sprint peut prendre en compte d'autres choses moins importantes, comme le courage ou la détermination, par exemple. Ah mais est-ce que ça marcherait pas avec... avec la dalle? Parce qu'on doit tomber dans la dalle. Pourquoi est-ce qu'il va... pas considérer ça comme le fait de tomber dans le vide? Il va se dire, waouh, c'est vraiment incroyable. Alors, non, visiblement. Ah, il revient là. Visiblement, c'était pas ça. Très bien. Ah, de la vie, cool. Oh, il a plusieurs demi-cœurs, lui. Ah, bah, décidément. Il va filer un cœur et demi. Il n'y avait pas aussi de la vie chez lui, là. Une machine à vie. Ah, bah, j'ai déjà utilisé. Terrible. Allez, hop là. Ça, on se remet de nos émotions. Go. Et donc là, on a fait tout l'étage et il n'y avait pas la salle pour choper le la poudre d'arcane, là. Donc les items de la balle, c'est bel et bien une époque révolue. Ah, bien sûr, j'ai foncé dans le mec, moi, donc je me suis dit, ça aurait marché, pas de soucis. C'est un mage, ça n'aime pas le contact. Bah figurez-vous qu'il m'a bien eu. Petit mago là. PlayStation. Oh, il y a un cœur. Énorme. Un cœur entier, rien pour moi. Oui. Je le veux. Oh, le pauvre gars. Peut-être voir la porte d'entrée. Alors attention, parce que là, j'ai pas mon Billy Boy pour me carry. Faut que je trouve le vrai, voilà, lui. C'est bon, il est empoisonné. En parlant feu. Voilà. Parce que c'est lui qui génère ces petites horreurs là, qui tire vraiment des balles. Mec, il est juste dégagé. C'est genre, nope. Ça va maintenant. Le brilleur. Le brilleur. Ah. Cool. Fusil à carlouche. Il est où le magicien complètement taré là? Je l'ai eu, je crois. Il y a un magicien, il est arrivé sur moi. C'est juste pris une balle directe. Oh gars, il apparaît, PAM! Et pourtant le regard rempli de détermination. On va péter le cube hein, si possible. On sait tous que ce cube va nous énerver. On se souvient tous de ce qu'on a déjà subi avec ces cubes. Ok, cool. En moins. Et cool. Et rapide. Hein. Si, salut, go. Aïe! Oh non! Je me suis pris une balle. Balle perdue. On va bien dire une balle qui ne m'est pas destinée, mais évidemment, je pense pas que dans le jeu ça puisse exister. Là, ça passe. Ça passe, pas de soucis. Je crois que je subis une légère pression. Perdu l'armure mais pas les cœurs. Okay, ça c'est bon, le poison, hein. Le poison c'est la vie. Même si généralement le poison a pour effet de l'ôter, c'est bon. Les balles qui rebondissent aussi, ça fait plaisir, on peut jouer un petit peu au billard. On va se faire en trois bandes. Le petit retour, comme ça on reste un peu à couvert. C'est plutôt pas mal. On a un bon build. Plutôt content. Quelques munitions. Attention bien sûr au piège. Attention de faire attention au piège. J'avais pas du tout vu le piège. Et l'important c'est de ne pas s'arrêter, généralement. J'ai été touché là? Ah mince, j'avais même pas vu. Je sais pas ce qui m'a touché. C'est terrible. Cool. Tant pis. Bah, la blanque est partie, mais
J'ai pas en confiance là. Ok, on a pas encore tout battu. Il y a encore un Jin. Mec là. Bien. Cool. Ici. Mais le mec a disparu quoi. Il est là. Bonjour. Ami cabron vôtre, des bisous. Faisons le chemin extrêmement éloigné. Très bien, un boss. Ok, cool. Passe. Je prends la balle. Ça, c'est un vieux visage dégueulasse qui fait ça à tous les coups. Ok, c'est bien. Alors, bisous. Cool, un petit beaker là, ça fait plaisir. Y a rien vers le haut, donc on s'en fiche. Go chez le marchand. De la vie ici. Ça vend de l'armure. Oh, mais non, mais c'est juste qu'au fur et à mesure des étages, ça coûte de plus en plus cher en fait. Ok, d'accord. Très bien. Donc, des trucs généraux comme des clés et tout ça, vaut mieux les acheter au début. Corne d'alerte, 83 baoules. Allez, il me reste quoi à faire là? Il reste 2-3 petits passages. J'hésite presque à les tenter. Hein. Parce que vu que j'ai déjà un build pas mal, je pourrais tenter d'aller rusher les boss quoi. Mais bon. Si c'est des petites salles comme ça, ça va, hein, c'est de la thune gratuite. Petit coffre. Le plomb chaud. Probabilité de s'enflammer. Petit passif supplémentaire. Toutes les balles ont une chance de s'enflammer au contact des ennemis. Munitions qui sortent juste de la forge du gungeon. Le métal interne de chaque munition est encore fondu. Ok, donc si j'ai poison plus... D'accord, je sais pas trop comment fonctionne cette partie du niveau là. Ou alors là, ça doit être un chemin de balade. Donc poison plus flamme, niveau dot. Niveau dot, je suis un peu un petit sagouin, hein, je peux le dire. Ok, un monde entier de pièges. Ah, il faut que j'aille de l'autre côté, ok. Ah oui, les flammes, le poison, la destruction. Destruction par le dot. Dégâts over time. Et vu que je tire plein de petites balles, j'ai d'autant plus de chance d'en avoir au moins une qui enflamme. Beauté du truc, quoi. Et même avec mon arme contre les boss, je tire plein de petites balles, donc... Peut-être pas le poison, mais... Je peux enchaîner les enflammades, les barbecues. Un mec là. Il n'a rien vu venir.